Bon alors, votre attention. Pour la deuxième séquence, ici, nous allons parler du fruit d'un arbre. Donc, on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que vous pouvez me résumer ce qu'on a vu? Vas-y. Oui, donc on a vu comment il s'alimentait, on a vu comment il se nourrissait. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Comment il pouvait mourir, oui, donc selon différents facteurs. Alors, tous les arbres, que ce soit les châtaigniers, les arbres ornementaux, etc., donnent des fruits. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une châtaigne. À votre avis, la châtaigne, elle est dans quoi? Je l'ai en main. Une bogue, oui. Oui, donc c'est une bogue. Alors ici, donc c'est ce qui va protéger le fruit durant tout l'été, car ce sont des arbres qui fleurissent au printemps. Donc on a vu tantôt que les feuilles poussaient au printemps. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus de lumière, etc. Et en même temps, ça va faire le développement des fleurs, ce qui va permettre à l'arbre d'assurer sa descendance. Car il faut savoir que ce fruit-ci, vous pouvez le manger. Donc si vous voulez le goûter chez vous, vous pouvez. Je vais vous montrer la différence entre le marronnier et le châtaignier que j'ai ici. Et alors, si vous ne le mangez pas, à votre avis, l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer si je la laisse à terre ici maintenant? Oui? Oui, donc comme tu as dit, ce petit fruit, c'est une future plante. Donc, vous voyez le grand arbre qui est derrière moi? Il est quand même assez grand. Et bien à partir de ça, dans quelques années, vous aurez ça. À partir de ce tout petit fruit, vont apparaître les futurs arbres. Donc à chaque fois, l'arbre qui est ici derrière moi par exemple, il vient d'où? Il vient de la châtaigne. Alors je vais vous montrer la différence entre la châtaigne et le marron. Donc je vais prendre une bogue. Si vous voulez le toucher, faites attention, ça pique. Qui veut toucher? Fais doucement. Donc ça, c'est la châtaigne. Ça pique assez fort, on est d'accord. Ah oui, il ne faut pas appuyer. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin. Je vais vous montrer l'arbre là-bas et je vais vous montrer la différence des deux fruits qui s'y trouvent. Alors, vous pouvez vous rapprocher, je vais vous montrer de tout près. Ici, vous voyez, ce sont... Si tout le monde voit bien... Attendez, espacez-vous pour que tout le monde puisse voir. C'est bon. Oui, mettez-vous autour de moi, il n'y a pas de danger. Tu ne mords pas. Donc voilà, ici, on a deux fruits différents. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Moi, oui. À votre avis, qu'est-ce qui les différencie? Ça, c'est ce qui concerne la bogue. Donc ça, c'est ce qui entoure les fruits avant qu'ils ne soient en maturité. Si maintenant, j'enlève les bogues, comment vous les reconnaissez? Oui. Ça, c'est un marron. Oui, marron. Ça, parce que ça a un petit truc, un petit picot, une sorte de petit... Donc toi, tu dis que la châtaigne, elle a le petit embout ici avec les petits pics. D'accord? Pas toujours les petits pics. Toujours... Ici, j'en ai une sans pics, tu vois. Donc voilà, en fait, non, pas forcément, ça n'a rien à voir. En fait, donc comme elle a très bien expliqué, la châtaigne, elle est comestible. Le marron, il n'est pas comestible. Il faut faire attention. Alors, la façon de les reconnaître, le marron, il a toujours une tache, comme la châtaigne aussi. À votre avis, cette tache-ci, elle sert à quoi? Pourquoi le fruit est marron, dans les deux cas, et que la partie ici est plus claire? Réfléchissez bien. Tantôt, on a dit que l'arbre s'alimentait, il mangeait. Et du coup, les fruits, c'est sa descendance. C'est comme si maintenant, l'arbre, c'était vos parents, et vous, vous êtes les enfants, et les enfants, c'est les fruits. À votre avis, cette partie-là, c'est quelle partie de vous? Quand vous étiez bébé, on a coupé quoi pour que on vous sépare? Voilà. En fait, cette partie-ci, c'est votre nombril. Donc là, le fruit ici, il a un nombril.
Les pommes, quand vous cueillez une pomme, elle a toujours une petite tige. Oui. Et bien cette tige-là, c'est votre cordon. En fait, c'est ce qui va permettre au fruit d'assimiler tous les éléments nutritifs que l'arbre va lui transmettre. Et il ne va pas seulement lui transmettre que la nourriture, il va aussi lui transmettre plusieurs choses. À votre avis, qu'est-ce qu'il va lui transmettre? Réfléchissez. Non, pas spécialement. Des nutriments, oui, parce qu'en fait, le fruit est gorgé de nutriments. En fait, le fruit, quand vous l'ouvrez, vous avez toute la partie qui c'est de la chair, en fait, ça se mange. Et au milieu, vous avez le germe. Et du coup, il va se nourrir du contour du fruit pour pouvoir pousser et former sa racine. Et ça, je vous montrerai tout à l'heure. J'ai apporté des fruits sur lesquels on voit la racine qui se forme. Mais donc, la partie ici, c'est le cordon ombilical. Donc, c'est relié. Donc, si je prends par exemple la bogue ici de la châtaigne, on voit la marque des trois taches ici. Vous voyez, il y a trois taches au milieu. Ah oui. Vous voyez? Si tout le monde voit bien, hein. Si vous ne voyez pas, vous me le dites. Alors, les trois taches qui sont là, à votre avis, combien de fruits il y avait là-dedans? Trois. Trois. Et comment ils étaient placés? Qui veut essayer de le placer correctement? Attends, je vais en donner plusieurs, comme ça. Qui veut essayer, il y en a encore un. Voilà. Mettez-le chacun à votre tour. Attends, je vais. Vas-y, mets-le. Voilà, donc ici, elle a très bien montré. Voilà, donc ici, on en a mis deux sur les trois. Donc, vous les avez bien placés. En fait, la partie qui est là, c'est la partie de la maman, donc l'arc qui était avant. Et cette partie-ci, c'est donc ce qui a été nourri. Et c'est par ce trajet. Et on peut voir ici derrière. Qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi la partie ici? C'est la partie qui est attachée à l'arbre. Donc en fait, c'est comme les pommes, quand vous les cueillez, la tige est rattachée à l'arbre. Et c'est cette partie-là qui nourrit les fruits que vous avez ici. Donc, lesquels sont comestibles dans ces trois-là? Et donc, la différence des deux? Qui sait me rappeler c'est quoi? Le fruit, le nom du fruit, pardon. Le marron et la châtaigne. Lequel est comestible? La châtaigne. Et comment on la reconnaît du marron? C'est parce qu'elle a une sorte de petite peau. Voilà. Et le marron, vous pouvez regarder, il n'y en a pas. Il est tout lisse. Et c'est une façon de le reconnaître. Et le marron, généralement, il est plus plat que la châtaigne. Alors, au niveau des boques, ça se remarque aussi. La châtaigne a une boque très piquante. Et le marron a moins de picots et ils sont moins piquants. Vous pouvez toucher, vous allez voir, c'est moins dangereux. On peut moins se faire mal avec ça. En fait, on se fait pas mal du tout. Vous voyez? Et à votre avis, pourquoi les fruits, ils sont pas directement comme ça, mais qu'ils sont dans ces poches? Ils servent à quoi, les poches? Vas-y. Pour pas les abîmer, les faire grossir à l'intérieur. Voilà, c'est très bien. Donc en fait, ça sert juste de protection. C'est comme vous, quand vous êtes dans le ventre de votre maman, vous êtes dans le ventre et vous êtes protégé de tout problème, de toute maladie. Et une fois que les fruits sont lâchés des bogues, qui servent juste de protection, la graine est susceptible à beaucoup de choses. Elle peut être attaquée par des insectes qui vont venir se nourrir comme les vers qui sont dans les pommes. Vous pouvez avoir des animaux comme les écureuils. Vous connaissez bien l'écureuil, oui. Par rapport à un dessin animé. Oui. Moi, dans l'âge de glace, vous avez déjà vu Scrat. Et qu'est-ce qu'il fait? Il protège son gland. Ouais. Et ben ici, c'est la même chose. Donc, normalement, Scrat, il n'est pas censé le planter dans le sol et faire des fissures partout. Il est censé le manger. Et les écureuils se servent des fruits secs. Donc, ils peuvent manger les glands, ils peuvent manger les marrons, les châtaignes. Chose que nous, on ne peut pas faire avec tous les fruits. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont un système digestif différent du nôtre. Et parfois, à votre avis, je ne parle pas des fruits qui sont ici, mais par exemple, vous avez déjà vu les tout petits fruits rouges qu'on voit par exemple dans les arbres, par exemple la cerise. On va prendre l'exemple de la cerise, vous voyez, c'est quoi? À votre avis, pourquoi les oiseaux mangent les cerises? Oui. Les plumeaux. Pourquoi t'aimes bien les cerises? Oui. Pourquoi t'aimes bien les cerises? C'est juteux. T'aimes bien? C'est bon. C'est pareil pour les oiseaux. En fait, les animaux. Ça fait un truc qui me bête, là. Oh, c'est pas grave. C'est une punaise. Ça pue. Donc, merci. Alors,
nous, on aime bien certains fruits, les oiseaux aussi. Et les oiseaux peuvent manger des fruits qu'on ne peut pas manger. Pourquoi ? Parce que certains fruits sont toxiques. Donc on ne peut pas les manger, c'est du poison. Les oiseaux, eux, ils ont une belle arme secrète. Quand ils mangent un fruit, à votre avis, qu'est-ce qui se passe dans son corps ? Non. En fait, l'oiseau, quand il va manger le fruit, il va le digérer. Nous, quand on mange des aliments, on les digère. Et après, ça repasse où ce qu'il faut passer. On va dire ça comme ça. Et bien là, les oiseaux, ils vont faire la même chose. Mais vous imaginez bien que l'oiseau, il ne peut pas digérer une graine. Donc la graine, elle va ressortir. Et seulement la graine. Et la graine, du coup, qu'est-ce qu'elle aura subi dans l'estomac de l'oiseau ? La digestion. Donc la digestion, c'est quoi ? C'est des sucs gastriques, c'est comme nous. C'est ce qui va permettre de digérer les aliments qu'on a en nous. Et du coup, l'oiseau, il va digérer le fruit, mais la graine va rester. Mais par contre, elle aura été attaquée par les acides de l'estomac. Et c'est cet acide qui va permettre à la graine, au printemps, de germer. Donc, c'est une façon détournée que l'arbre a de transmettre à son fruit la manière dont il va se reproduire. Donc ça peut être par digestion d'oiseaux, ça peut être par une protection. Donc celle-ci, c'est une protection. Ça va lui permettre de se préserver de toutes les attaques de maladies, de parasites et d'oiseaux qui pourraient éventuellement les manger. C'est pour ça qu'il y a les pics. Les picots, ils servent juste à ça, à empêcher les animaux de venir manger les fruits. Comme ça, quand ils vont tomber à terre, ils vont venir s'enfouir dans le sol quand ils peuvent. Et comme ça, au printemps, ils vont germer. Donc, ce que vous avez ici, en l'occurrence c'est un marron, et bien ce marron va donner naissance à un arbre comme ça. À votre avis, cet arbre-là, il a quel âge ? Il faut couper l'arbre. Plus, il a beaucoup plus. Normalement, on sait le voir. Non, il n'a pas 1000 ans. Mais il faut vous dire qu'il a entre 50 et 100 ans minimum. Et bien, à partir de cette graine-ci, vous allez obtenir un arbre comme ça au bout de... De 100 ans, ouais, plus ou moins. Moi j'en ai un d'arbre, un seul. Par exemple, vous voyez derrière vous, qu'est-ce qu'il y a ? Le grand arbre qui s'élève derrière vous, c'est quoi ? Un sapin. Alors le terme exact c'est un conifère, parce que le sapin c'est ce qu'on utilise pour décorer à Noël. Et qu'est-ce qu'il fait le sapin ? Non, le fruit, je voulais dire. Comment on appelle le fruit du sapin ? La pomme de pin. Voilà. Et la pomme de pin, vous voyez, c'est quoi ? Plus ou moins, vous y visualisez. Eh bien, dites-vous que c'était la fleur. La pomme de pin, c'est la fleur. Au printemps, elle se développe, elle est toute petite. Et après, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va se développer et les graines vont se développer dans les lamelles de la pomme de pin. Et en hiver, avant de tomber, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont s'ouvrir et les graines vont tomber. Et de cette manière-là, au printemps, vous avez des nouvelles petites pousses. Donc, vous devez retenir ceci, c'est qu'un arbre, il a toujours été une graine au départ, et que l'arbre, c'est le parent, et la graine, c'est l'enfant. C'est comme vous. Vous avez besoin d'avoir certaines connaissances pour pouvoir grandir. Et l'arbre, c'est ce qu'il va faire pour la graine. Donc, il va lui apprendre que pour germer, il faut de l'eau. Une fois qu'il va pleuvoir dessus tout l'hiver, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se dire « Ah, je sais que quand il y a de l'eau, je dois pousser. » Il va puiser l'énergie qu'il lui faut dans la réserve que lui a laissée sa maman, un peu comme nous. Elle lui laisse une réserve de nourriture, il va consommer ce qu'il a besoin, et après, il va faire ses feuilles, et de là, il va commencer à pousser, comme un autre arbre. Voilà, pour la deuxième vidéo, c'est terminé.